Vous savez, je crois que je suis en état de choc. Je n'ai pas... Je sais que la tournée est terminée, mais c'est... C'est comme la semaine dernière en Espagne. J'ai vraiment cru que j'allais faire une dépression nerveuse. Je ne supportais plus les foules dehors, je ne pouvais plus faire le spectacle, j'avais plus la pêche. Tout me tapait sur les nerfs et je me suis dit, oh, je crois que je me prépare pour la déprime que je vais forcément faire quand ma tournée sera finie. Mais finalement, je n'ai pas craqué hier soir. Alors que tous les autres étaient émus, tout le monde pleurait, mais je n'ai pas craqué. Comme si, pour moi, tout était déjà terminé. C'est comme quand on sait que quelqu'un va mourir. Il faut trouver une sorte de paix intérieure avant sa mort. J'ai fait ça avec des amis intimes. J'essaie de prendre du recul par rapport à ça avant que ça n'arrive. Comme ça, le choc est moins brutal et ensuite, quand ça arrive, c'est comme... Je ne ressens rien, mais je sais que je ressentirai quelque chose plus tard. La seule chose, c'est que je ne sais pas quand. Ça doit juste être un réflexe d'autodéfense. J'espère que je serai blindée quand ça arrivera. Venez avec moi, je vous emmène tous avec moi. Bonjour le Japon, bonjour. Et en avant. Kiss, t'es vraiment un enfoiré. Allô? Je suis désolée, mais le niveau des haut-parleurs n'est pas excessif et je ne vois pas pourquoi on a autant de feedback. Ou bien on arrange ça et on améliore le son, ou bien je préfère annuler le spectacle. Alors j'aimerais bien que les mecs du son viennent immédiatement m'expliquer ce qui se passe. Je vous attends, hein? Elle s'impatiente. Pourquoi est-ce que Donna et Nikki n'ont pas le retour? Dès qu'on donne de la voix, elles sont qui déconnent. Où est John Draper? Chaque fois qu'elle me voit, elle tire une tronche d'enfer. C'est parce qu'il pleut des cordes, Freddy. Oui, j'ai remarqué. Ouais, tu trouves ça marrant? Mais je trouve pas ça marrant du tout. Dégage, j'ai besoin de parler boulot. Alors, au revoir. On croirait qu'elle se prend pour ma mère. Oh, ça doit la défouler de me tirer les cheveux. Je suis blanche qu'en apparence, hein? Ouais, en fait, c'est ma belle dans That Mama. Vous savez, ce vieux feuilleton avec les bagues, c'est bien elle. Je suis un pur produit du ghetto noir. T'as pas le rythme dans la peau. Regardez-la, elle a les cheveux plus crépus que Diana Ross. Non, monsieur, je veux pas, monsieur. Non, non, je veux pas maquiller Madonna, monsieur. T'as tort, j'ai le sens du rythme. Et tu dois arriver à couler le mouvement. Oui, mais tu veux que je le fasse au-dessus de ta tête? Non, non, ce qui est génial, c'est que t'es caché derrière moi et que tu surgis d'un seul coup. Et c'est pour ça que je te demande si tu veux que je le fasse au-dessus de ta tête. Non, j'en suis pas sûre. Il faudrait que tu sondes tout le monde. Que t'ailles leur demander... Que je les sonde? Oui, et vous la foutez dans le cul. Non, ça va, je déconne. D'accord. Non, non, je te charriais, non, non, Oli. Non. Tu l'as dit, non, non. J'en ai vraiment ras-le-bol. T'arrêtes pas de m'envoyer toutes ces vannes de PD. Oh, mais faut enregistrer ça, les mecs, faut enregistrer, hein. Tu sais pas ce que ça veut dire, sonder? Tu recommences, faut enregistrer ça. Où est le micro? Voilà le micro. Sonder tout le monde, ça veut dire que tu vas voir les autres et toi, tu leur poses des questions. Quoi, pour savoir ce qu'ils pensent? T'es pardonné, Oli, et je te pardonne de grand cœur pour tout ce que tu ignores. Non, laisse maman se maquiller, mon chou. C'est pas vrai, heureusement que j'adore m'occuper des enfants. Bon, c'est parfait. Je veux pas que tu me filmes pendant ma séance de relaxation. Je pourrais pas me décontracter, je t'assure. On va pas te gêner. Alec, non, je regrette. Allô? On en avait parlé à Los Angeles. Et de me filmer en pleine séance d'assouplissement. Il faudrait que vous attendiez. Elle est en séance de relaxation. C'est vraiment chiant. Est-ce que vous préférez que je vous rappelle? Julie, la ferme. Arrête de me dire ce que je dois faire. Respirez bien à fond. L'épaule bien étendue, voilà. Oh la vache! Ça a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il fait aussi froid qu'un jour d'hiver à New York. On dirait vraiment qu'il va neiger, comme à New York. Bon, enfilez tous des collants noirs, mettez juste le costume de Vogue et un blouson noir au-dessus. Ce sera votre costume pour ce soir, ok? Oui, bien ça, ça craint Max. C'est l'enfer. Je commence à les avoir à zéro. J'appelle ça le stress bel. Bon, 5 minutes, tout le monde. On va y aller. Thank you.
d'aberration mentale, je n'avais pas réalisé qu'on allait roder le spectacle pendant la saison des pluies au Japon. Et pendant 3 semaines d'affilée, on a joué en plein blizzard. Mais les danseurs étaient si excités de se retrouver devant un public que le monde aurait pu s'écrouler sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi, par contre, je ne me sentais pas trop la vocation de pingouin et je crois que la seule chose qui m'a empêchée de m'ouvrir les veines, c'est la perspective de rentrer en Amérique et de présenter le spectacle comme il avait été conçu.
revenir du Japon, je me suis aperçue que je commençais vraiment à m'attacher aux danseurs. Et... J'avais l'impression de devenir une mère. Tu pousses un peu, tu trouves pas... Gabriel, comme t'as jamais ramené ta science, t'as droit à celui-là. C'est le plus beau de mes chapelets. Merci. Quand on est enfin rentré en Amérique, j'ai eu l'occasion de rencontrer les mères de tous les enfants que j'avais temporairement adoptés. Et... Où est Cole ? Les parents étaient généralement aussi pittoresques que leurs enfants. C'est la maman de maman, maquillage. Oh, il y a une mère de famille. C'est la fête des mères. Bonne fête, maman. Don't make me over. La mère de Carlton est dans le couloir. Je t'assure, je viens d'entendre. It's nobody's fault. La voilà. Bonsoir. Oh, prends-moi en photo avec elle. Oh, je t'en prie, vous êtes d'accord? Elle est si petite, si mignonne. Chante. Who, baby, do you know what that's worth? Who heaven is the place on earth? Who, baby, do you know what that's worth? Je suis obligée d'écouter ça. Qui est-ce qui chante? Est-ce que tu pourrais m'allumer la radio? Ces filles sont assommantes. C'est Donna qui imite Belinda Carlisle. La maman de Nikki va chanter. Some, oh oui, je sais, je sais. Someday he'll come along. The man I love. C'est vraiment mauvais signe quand ils veulent que je monte sur scène une demi-heure plus tôt. T'inquiète pas, tu as encore trois quarts d'heure. Je sais, mais on est dans une ville très traditionnaliste. En ce qui me concerne, ça fait une raison de plus pour ne pas vouloir vivre à Chicago. En plus du fait qu'Oprah Winfrey habite ici. Ouais, super. Je veux celui-là. Slam, tu veux un t-shirt? Ah, merci. Celui-là est trop petit. Je crois qu'inconsciemment... je me suis entourée de gens qui ont une sorte d'infirmité sentimentale. C'est le mien. Et Madonna, aide-moi. Qu'on doit materner constamment, parce que... Je crois que c'est un besoin naturel chez moi. Et que ça remplit un désir naturel en moi, d'être maternée. Ok, un peu de silence, les mecs. Est-ce que vous croyez que José m'aime plus que moi je l'aime? Non, mais ça paraît impossible. Mais si, c'est possible. Non. Tu connais pas la meilleure. Non, c'est pas tu connais possible, pas la meilleure. J'adore, quand ce on mec. Part après la répétition. Quand on revient à notre chambre, essaie de deviner ce qui passe comme je t'en prie. Et you must be my lucky star. Arrête. Allez, debout, lève-toi. Arrête ça, Madonna. Leur innocence, c'est l'innocence des danseurs qui m'a émue. En fait, ils n'étaient pas blasés, ils n'étaient jamais allés nulle part. Tout ça, c'était vraiment la chance de leur vie. Et je sais qu'ils en ont bavé avant. Ils en ont bavé dans leur vie, que ce soit à cause de leur famille, de la dèche ou... Et je voulais leur offrir le plus beau trip de leur vie. Je voulais les impressionner. Je voulais les aimer. Hey, coetus interruptus? Oui, j'aimerais laisser un message. Quelqu'un doit venir me voir. Mon père vient me voir. Il vient de la Nouvelle-Orient, je crois. Et il doit arriver ici dans 20 minutes. Enfin, quand il arrivera, laissez-le passer, d'accord? Parce que je ne l'ai pas vu depuis 5 ans, enfin presque. Tout ça, vous en foutez sûrement. Ça fait rien. Laissez-le garer sa bagnole devant la porte. Hein. Merci. Surtout, je veux pas qu'on lui gare sa bagnole. Hein. Laissez-le faire. Et ensuite, faites-le monter parce que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. En fait, quand j'y pense, j'ai pas envie de le voir. Non, non, c'est pour déconner. Oh. Il a une bagnole noire, une Jeep Cherokee. Allez, dépêche. Ça y est, attendez, une seconde. Il y a une Jeep qui s'en va, là. C'est géant. Adieu, papa. Ça y est. Allô? Oui? D'accord, merci. Bon, il va arriver dans une minute. Oh la vache. Ah, le voilà. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir. Quand je l'ai vu, j'étais un peu déçu parce qu'on ne se ressemblait pas. Enfin, on ne se ressemblait plus. En le voyant, j'ai même pensé, on dirait mon frère Lance. 5 ans au moins. Attends, c'est quand ton anniversaire? Ah, tu le sais très bien. Ah, quand tu fais ça, on dirait vraiment Lance. Oh mon Dieu, papa, si tu voyais Lance, tu serais si à la base. Il a les mêmes attitudes. C'est vrai? Il a les mêmes attitudes que toi. Ah, c'est le délire. Ah, je suis vachement déçu. Du coup, je te présenterai pas le Madonna. Oli, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Trésor? J'ai vachement mal aux dents, là. Oh, et allez, raconte-moi comment va ton père. Putain, je plaisante pas, j'ai vachement mal. D'accord, allez, je suis prête à te croire, mais dis, okay, raconte-moi. Je sais ce que tu veux savoir.
Oli. Ah, dis donc, c'est chouette, ça. Oli, vas-y, raconte-moi. Quoi, comment ça s'est passé? Oui. C'était... C'est dingue, j'ai... T'étais nerveux? Oh, non. Il va rester voir le spectacle? Oui, il va rester. Alors venez tous les deux dans ma loge après, je vous attendrai. Après le spectacle. D'accord. Au début, je pensais pas qu'il réussirait. En fait, honnêtement, la raison pour laquelle je l'avais pas revu depuis 5 ans et qu'on ne s'était pas beaucoup parlé, c'est parce qu'il m'avait dit « Oliver, tu ne réussiras jamais, laisse tomber la danse ». Et quand il est venu à Houston, on a un peu reparlé de tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit « Pardonne-moi ». Et en fait, jamais je l'avais entendu me sortir une chose pareille de toute ma vie. Et je lui ai pardonné. Dans mes bras. Tu as la forme. Je crois qu'il devait se sentir bien. Il avait l'air heureux, j'en sais rien. Bonjour, c'est moi. Oh, bonjour, comment vas-tu? Je sais que je t'ai pas eu au bout du fil depuis des mois, et enfin bon, j'espère que tout va bien. Et est-ce que tu pourrais me dire si vous voulez venir ici voir le spectacle, quelle soirée, blablabla? Alors, quand est-ce que je vous vois? J'en sais rien. Alors, on fait comment? Ils ont changé les jours. Mais dis-moi déjà si t'as envie de venir. Ah. Et quel soir? Bon, c'est comme ça t'arrange, en fait. Écoute, papa, je serais ravie que tu viennes à mes 2 soirées, mais c'est quand même assez provoquant. Il y a des passages que tu auras peut-être du mal à avaler 2 soirs de suite. Oh non, tu recommences à nous provoquer? Je recommence rien, je suis comme ça depuis toujours. Je sais, mais tu pourrais peut-être en faire un peu moins. Quoi, pour toi? Ouais. Non, papa, je refuse de compromettre mon intégrité artistique. Évidemment. Tu te déshabilles pendant le spectacle? Non, t'es fou. Ah, tant mieux. Non, bien sûr que non, enfin. D'accord. Bon, pour quel soir est-ce que tu peux nous avoir des billets? Ça, c'est comme tu veux. Je te fais entrer n'importe quand. Ah bon, c'est parfait. Il suffit que tu me dises combien de billets tu veux. Mais dis-le-moi maintenant et dis-moi avec qui tu veux venir. Ah, il y a Marty et son ami. Oh, comment va-t-il? Oh, bah, tu sais, on a mis Marty, enfin, on l'a amené. Il a fait sa cure à l'hôpital? Oui, il y est, mais il veut sortir le 25. Le 25 de ce mois? Ah, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce qu'il voulait savoir s'il pouvait toujours compter sur toi. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Organiser une sorte de soirée. Non, attends, t'as pas l'air de réaliser. C'est vraiment un spectacle épuisant. C'est une tournée épuisante. Je fais pas comme dans le temps. Je fais pas un spectacle et ensuite je me repose 2 jours. Là, j'enchaîne. C'est un spectacle après l'autre. Et en fait, j'ai pas très envie de faire la fête et de gueuler parce que je risque de m'abîmer la voix. Je pars en chat au milieu de Into the Groove. J'ai perdu tout le retour sur scène. Mais je te jure, j'entends plus ce que je fais. Et l'autre idiot qui vient se planter là comme s'il se rendait compte de rien. Je crois que je ne me doutais pas que la tournée serait aussi épuisante à tout point de vue. Mon frère Christopher m'avait prévenu que je le regretterais, mais. Quand j'ai compris qu'il avait raison, il était trop tard. J'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar.
Et ce n'était pas seulement un problème de performance physique, il y avait tellement de trucs techniques, tellement de petites choses qui pouvaient déconner, et on a été servi. Ah, I'm the stranger, and I can get to you. Okay. Oh, God. Never want to turn your back. Et pourquoi ça l'a jamais fait avant? Il a dû se passer un truc imprévu qu'on n'a pas eu aux répétitions. Bon, alors à partir de maintenant, c'est très simple. Je veux que tout soit vérifié. Je veux être sûr que ça n'arrivera plus. C'est arrivé pendant Where's the Party. C'est arrivé aussi mais pendant mais le... Mais tu comprends pas, on n'a aucun moyen de vérifier si ça sera comme à la répétition. Alors pourquoi ça n'arrive pas à Nicky et Donna? J'ai aucun moyen de le savoir. Je pense qu'il doit y avoir un signal parasite sur ta fréquence. Désolé, ou un autre il faut émetteur. Que tu trouves une solution, Case. Je regrette, je commence à chanter à cappella et ce putain de HF se met à déconner. Et tout le monde croit que le show est fini, bordel. Il suffit qu'il y ait un je autre veux savoir émetteur pourquoi qui... ça n'arrive pas aux filles. Parce qu'elles ne sont pas pareilles, c'est la fréquence qui est différente, alors il suffit qu'il y ait un autre émetteur. Mets-moi sur la fréquence, putain. Moi, j'en sais rien. Trouve une solution. Putain, merde. Nous sommes accolés à un mec vraiment obèse au premier rang. Il m'a fait de l'œil pendant toute la soirée, ce vieux dégueulasse. Et ne te cache pas derrière, je t'ai vu, Warren. Viens ici. Freddy? Oui, madame. Tu m'as menti? Je t'ai menti à quel propos? Il y avait des gens du showbiz dans les trois premiers rangs. Oui, je sais, c'était pas prévu comme ça. Et ouais. T'avais dit qu'il ne devait pas y en avoir. Oui, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû avoir oui, des billets au marché en noir. En tout cas, ça me faisait vraiment chier de les voir. Ils étaient assis avec les bras croisés à faire des gueules d'enterrement. Et ils avaient l'air... Bon, j'arrivais pas à le croire. Non, occupe-toi de mes sourcils, plutôt. Enfin, mais j'avais du mal à me concentrer. Ça me déprimait vraiment d'avoir ces deux rangées de paumés qui avaient l'air, en fait, ils s'amusaient pas du tout. Non, ils se faisaient chier comme des ramas. Mais non, la plupart d'entre eux se sont levés pour danser. Je t'en il y avait Freddy, deux ou trois vieux schnocks. Tu fais chier, mais la plupart... tu sais bien que non. Il y avait ces trois rangées de sales cons et derrière, un espace derrière, vide. Il y avait cet espace, je sais, j'ai voulu changer ça aujourd'hui. Ça, c'est les pompiers qui m'ont demandé ça, mais j'essaierai de régler ça demain. Bah, débrouille-toi. Et John Draper, quoi? S'il te plaît, va faire hacker ce deuxième trou du cul, parce que il est responsable de la technique de mon spectacle. C'est lui le responsable. Tu parles de la fin quand ça déconne. Il dit que non, c'était pas qu'à la fin, c'est arrivé dans Cause and Commotion, et dans Open Your Heart, et Keep It Together, and Where the Party, et Vogue, mon casque ne marchait pas, je perdais le retour. Ça coupait sans arrêt? Oui, et fais pas semblant d'être surpris. Dans Keep It Together, quand je chante à cappella... Non, j'ai dit à... De toi à moi, je t'ai trouvé vraiment superbe. Ah ça, c'était génial. C'était remarquable. Vraiment génial. Absolument remarquable. Merci. C'était superbe. Ah oui, le public était scié. Non, je suis génial quand on marche pas sur les pieds. Bah, s'il ne faut que ça, je suis non, à ta disposition. Je t'en prie, Freddy, pas ça. Mais non, t'avais vraiment la pêche. Tu t'es défoncé comme une malade. T'as mis le public dans ta poche. Le public le plus dur de toute ma vie. Oui, mais seulement sur les gradins, mais c'est comme ça, Los Angeles. Freddy, écoute, ils ressemblaient tous à des agents de la William Morris dans je les deux sais, premières rangées. Raison. C'était vraiment. Bon, allez, ça suffit, Freddy. Tu fais chier. Allez, petite bite, ramène-toi ici. De quoi t'as peur? Est-ce que tu te rends compte que c'est comme ça tous les soirs? Tu vas peut-être être plus gentil avec moi maintenant, Warren. Quoi? C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas, Warren? Bon, amenez-les-moi maintenant, faites entrer les gens, faut que j'aille dormir. Bonjour, comment ça va? Ben toi au moins, tu peux te la santé. J'aimerais bien que Warren devienne végétarien. En plus, je lui ai dit que je voulais pas d'enfant de lui tant qu'il serait pas végétarien. Non. T'en fais pas, la lumière est parfaite. Oui, mais elle est encore meilleure si on reste allongé. Monsieur Al Pacino. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Mandy Patinkin. Bonjour. Los Angeles, c'était vraiment l'angoisse. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre que les vedettes n'acceptent de devenir vos amis que parce que vous êtes vous-même une vedette. Ça devient même embarrassant. Warren vous remercie tous d'avoir pu venir. Salut. Tu étais super. Merci. Vraiment super. Merci de nous avoir invités, c'était vraiment très gentil. Ouais. Merci d'avoir pu venir. On a trouvé ça chouette. Hein. Mmh. Chouette. Très chouette. Ouais. On ne m'avait pas encore fait ce genre de compliment. Salut. Ouais, ok. Amuse-toi bien, je crois qu'on va laisser tomber la réception. Oh, vraiment? C'est chouette pour toi. Oh, en fait, non, c'est pas ça. Ah. Non, il faut qu'on aille voir les enfants, il faut qu'on aille jouer avec les enfants. Ok. On va leur ramener ça, d'accord? Ouais, si tu veux. Merci. Dieu te bénisse. Salut. Salut, Kevin. Chouette.
tous ceux qui prétendent que mon show est chouette n'ont rien à foutre ici. Ils m'aiment un peu. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment un peu. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment un peu. Ils m'aiment pas. Il veut juste baiser avec moi. Je crois qu'il tient à moi vraiment. Il m'aime un peu. Il m'aime pas. Il m'aime un peu. Il m'aime pas. Il m'aime un peu. Il m'aime pas. Oh oh. Quoi? J'ai fini sur il m'aime pas. Est-ce que le tout petit là il compte? Non, enfin.